Le goûter Homer, c'est une chaîne sur Disney, on s'en va. Oh, mais j'ai faim, moi. Je peux rester pour la princesse? Princesse, non. Et pour le prince? Non plus. Ah. Et coucou, c'est les successeurs de Disney. Et bienvenue dans DS Débat de Tina et sa fille. Mais non, c'est... C'est sur cette chaîne. Et donc, bienvenue dans, oui, on peut dire un goûter, même si c'est une ouverture, parce qu'on connaît le goût des Kinder. Vous nous avez beaucoup donc parlé des œufs Kinder plus petits que ceux qu'on a ouverts, donc spécial Reine des Neiges. Là, il s'agit des œufs Kinder Princesse Palace Pet. Quoi, pet? Oui, ça veut dire avec... Ah, les animaux de compagnie, pas les pets. Les animaux de compagnie. D'accord. Voilà. Okay. On va encore en foutre partout. Ça, les œufs, c'est... Oh non, là, il y a un œuf. Ah, c'est mieux que quand j'ai utilisé la tronçonneuse pour ouvrir ce Violetta et... Du coup, ce goûter sortira sûrement pas. Merci. Oh, on dirait un œuf. C'est bien d'avoir des assistantes. On va vous embaucher pour ça. On dirait un œuf. Oh, attends, je vais le garder peut-être pour... Comme ça, ouais. Vous pourrez commencer à manger si vous voulez. Ah. Waouh, il est dur. Attends, j'arrive. Vas-y au marteau. J'arrive pas à l'ouvrir. Bon, non, mais en fait, il a collé au truc. Ouais. Aïeee. Je te laisse ouvrir le premier. Alors. Tu as envoyé du chocolat dans les cheveux. Alors, j'espère qu'on va tomber sur les mêmes. Ah. Ça ressemble à... Ah non. Tu vois ce que je vois? Non. Un cucu. Non, non. Alors on a eu les fesses d'Anna. Aurore est une coquine. Et voici Aurore avec... Eh, elles sont jolies ces figurines. Oh, il est mignon. On dirait vraiment... C'est un minou. On dirait vraiment, comment on appelle ça, les petits poneys, non, les pet shops. Moi franchement, ça elle est trop cool. Voilà, pas la peine de mettre autrement. Pas la peine de l'habiller. Elle est magnifique. Voilà, elle va juste à la mer. Je vais piquer une tête. En fait, elle a toujours des cheveux de ouf. Tu vois sa robe, comment elle est? Ah, mais c'est juste ça. Mais lui, je pense qu'on va avoir une mauvaise surprise encore. Mais autant l'autre, elle avait des dessins sur la robe. Celle-ci, elle est banale, quoi. Dans l'endroit? Non, ouais, c'est bon. Ouais. Ça va être moche. Mais un peu, oui. C'est bien. Mais tu lui as mis le cul à la place. Ah non, c'est bon. Ah, lui. Non, mais c'est très dur à... Ça demande beaucoup de technique. Elle rentre là-dedans. Et voilà. Sérieusement, le petit personnage est plus mignon que Aurore. Limite, Aurore est plus belle sans, en fait, parce que là, ça fait... bah, elle est en danse, quoi. Mais elle est belle, la figurine. La figurine est belle. Je sais pas ce que t'en penses. Et il y a un petit chat qui l'a... Je trouve que c'est toujours plus intéressant que la Reine des Neiges, en fait. Oui, oh, bah, oui, parce que... Oui. La Reine des Neiges... désolée, Marine, hein, mais la Reine des Neiges... voilà. On arrive. Tronçonneuse. Il a éclaté l'œuf. Ah, ouais, bon. Cette fois, ça marche. Alors, l'ouverture du deuxième. J'espère pas Aurore, c'est pas très intéressant pour vous et pour nous. Aurore. Ah non, c'est belle. Mais non, c'est belle. Non, c'est Blanche-Neige. Et elle a un pet shop, parce que ça ressemble vraiment à des pet shops. C'est le même. On dirait un petit lapin. Ils se foutent de nous, c'est le même. Non, c'est un lapin. Non, c'est le même. Non, c'est pas le même. Ah non, c'est pas le même. Et je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve que ça fait plus coquin qu'Aurore. Elle a une culotte jaune. On ne le savait pas. Assortie avec la robe. Attendez. Je suis pas fan des animaux, moi. Bizarrement. Bah, moi je trouve qu'ils sont plus mignons que elle, mais... Oh, non, 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 non. Tu vois ça? Mais par rapport à la Reine des Neiges... Ah, on dirait qu'elles sont en plein dans leur danse, tu vois. Wouh! Au French Cancan. Non, voilà. Je préfère les trucs de la Reine des Neiges, moi, perso. T'as préféré? Ouais. Même non. Si... Ouais. Je sais pas, je préfère les robes, là, il y a pas d'intérêt. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit tablier, il y a un petit machin. Ah oui, le tablier. Je saurais pas lesquels préférer. Le fameux tablier. Je pourrais pas dire. Déjà, niveau qualité-prix, c'est mieux, parce que cela coûte 10 euros au lieu de 15. Ah oui, mais parce que voilà, c'était la Reine des Neiges. Ouais, donc toi, alors, on recommence. Hein? Violetta était à 5 euros. Oui, mais Violetta, il avait goût de chocolat, mais bizarre. C'est vrai. Donc il vaut mieux... En fait, c'est cela. Cela, alors. Il vaut mieux acheter cela. Parce que vous avez qualité prix, acheter cela. Voilà. Ouais, et ça reste mignon. Alors que la Reine des Neiges, c'est vrai que... Ouais.
Et ben voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau goûter ou une nouvelle ouverture avec... avec... des animaux de des compagnie. Des pet shops trafiqués. Voilà. Et on aura mort. Bravo, Safia. Non, mais elle est vraiment morte. Hein, on va le voir. Salut. Elle l'a démantelé. Je l'ai coupé en deux, quoi. Non. Attends, je change de posture d'écharpe. Je fais mon beau gosse populaire. Tu peux pas comprendre, mais mon bac.